Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau projet. Vous avez derrière moi des panneaux qui sont en train de se coller, qui sont mis sous presse, des panneaux en frêne, qui vont me servir à faire deux belles portes d'intérieur. C'est parti! Vous retrouvez ici les deux panneaux que j'ai collés cet après-midi en frêne massif. Ces panneaux représentent en fait la majeure partie des portes. Simplement pour tenir ces panneaux qui sont en bois massif et éviter qu'ils gondolent, nous allons simplement assembler, grâce à des dominos, des traverses hautes et basses, comme ceci. Avant de procéder à l'assemblage de mes traverses, il va falloir que je rainure les panneaux des portes, donc sur tous les joints de collage. Voilà, les panneaux sont enfin rainurés. Nous pouvons procéder maintenant aux étapes d'assemblage avec la festoule Domino XL. Pour cela, j'ai déjà fait une prise de cote pour répartir les dominos de manière égale sur le panneau. Il y a un tracé sur le parement que je vais reporter sur la future traverse, sur les futures traverses. Pour cela, je place la pièce ainsi. Et je viens reporter en face à toi. Et voilà, il ne reste plus qu'à procéder maintenant au mortaisage avec la domino. Voilà, vient maintenant les étapes de collage. Le collage va se faire des traverses au moyen des dominos. Nous avons fait des mortaises sur les traverses, sur le panneau de porte. Et pour lier ces deux pièces, nous allons utiliser ces fameux dominos, des pièces en hêtre massif, qui vont être collées et insérées dans les mortaises. Et cette traverse serrée avec des serre-joints.
une fois les essais à blanc des cadres, je les redemonte pour passer aux étapes de défonçage pour casser tous les angles et puis le ponçage des pièces. Le fait que les cadres soient démontés va me permettre de défoncer de manière plus facile les charnières pour la mise en place des pommelles et pour la mise en place de l'entaille de serrure. Nous allons nous occuper de la mise en place des serrures. Nous constatons avec l'équerre la dépouille, c'est-à-dire l'angle incliné, de telle manière que quand la porte est en rotation, elle puisse bien s'encastrer dans le cadre. Voilà, c'est une dépouille qui est prévue. Nous remarquons que la serrure, le pen n'est pas dans le bon sens, donc je vais vous montrer comment on inverse le pen pour qu'il soit dans le bon sens et qu'il s'enclenche la serrure avec l'axe de rotation de la porte. Donc, c'est relativement simple. Il suffit de prendre le petit ergot, voilà, de le repousser avec le ressort. On n'a qu'à retourner. Et pour réenclencher, on reprend l'ergot, on comprime le ressort. Et voilà. La serrure, maintenant, est dans le bon sens. C'est-à-dire que la porte va venir s'enclencher dans ce sens-là. Le pen est dans le bon sens. Voilà. On peut maintenant faire les tracés pour la mise en place de la serrure. Donc pour le traçage, c'est assez simple. On a une serrure axe à 40. On met l'axe de la poignée à 105 cm. Donc l'axe du blocage est 7 cm plus bas, c'est-à-dire à 98. Et il suffit de tracer nos axes. Maintenant, on va aller chercher la domino XL pour faire le défonçage du caisson de serrure. À l'aide d'une défonceuse, nous allons faire un fraisage de telle manière que la platine de la serrure soit parfaitement incrustée. Nous utilisons donc cette machine munie d'une mèche de 20 mm. Le guide est réglé, c'est parti. Donc voilà, on peut maintenant incrusté et donc elle ne gênera pas lors de la rotation. Maintenant on peut percer les trous des carrés du verrou de blocage et on peut venir positionner maintenant les poignées, le carré traverse, ainsi. Et maintenant, il suffit de positionner la platine de manière égale, 21 mm. Maintenant on remonte. Maintenant on peut percer les trous qui vont servir aux vis de fixation. Ils viennent reprendre la plaque et la contreplaque. C'est un trou à 5 mm et 5 dixièmes. Il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble.
Maintenant, on va utiliser ces vis qui sont un peu particulières parce qu'elles sont dimables. On voit qu'il y a des sections qu'on peut enlever tout simplement avec une pince. Alors, on va simplement faire une prise de cote. A priori, c'est pile poil la bonne longueur. Donc, on met l'insert par le dessous. Voilà. La serrure est quasiment finie posée. Il reste les plaques de propreté, mais qui seront mises en dernier moment. C'est l'inox brossé. Pour simplement éviter qu'elles soient abîmées lors du transport ou lors de la pose, on les met vraiment au dernier moment. Il me reste plus que les deux vis d'arrêt du bloc serrure à mettre en place, c'est-à-dire ici et ici, et la serrure sera prête. Maintenant, on va pouvoir placer les contreplaques de blocage de la serrure hein, qui va se fixer sur les dormants, le cadre autour de la porte. Pour ce faire, il va falloir prendre l'anthrax entre le pen, l'anthrax du pen par rapport au hall de la porte. En fait, on rajoute 3 mm pour... avoir une marge de sécurité sur le dessus, en fait, c'est simplement le jeu de la porte. On vient donc reporter notre anthrax à 97,5. Il ne reste plus qu'à faire le défi. Voilà. On a creusé le futur logement du pen et du pen de condamnation. On va pouvoir poser la contreplaque. Pour la pose des pommelles, il va falloir les incruster dans le dormant et dans le champ de la porte. Pour ce faire, j'ai changé la mèche sur la défonceuse. J'ai mis une mèche de 16 mm de diamètre. J'ai aussi réglé la butée transversale pour être sur un anthrax de 18 mm par rapport au parement de la porte et du dormant. Et ça y est, les portes sont finies, elles sont mises dans leur dormant. Vous avez remarqué que j'ai mis une petite baguette en bas qui va permettre de tenir l'équerrage du dormant lors du transport. Et ça va permettre aussi une pose parfaite. La pose ne sera pas assurée par l'atelier, ça va être le plaquiste qui s'en occupera. Et voilà, je vous posterai une petite vidéo une fois que les portes seront mises en place dans la tour du fruitier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me suivre sur ma page Instagram, sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Au revoir et à très vite.